décision en disant que aussi bien celui ou celle qui pratique l'excision que celui ou celle qui aide à pratiquer l'excision peuvent être punis d'une peine d'emprisonnement qui va de 6 mois à 3 ans et d'une peine d'amende. Voilà, et ça permet aussi à ceux qui n'ont jamais suivi une audience d'entendre le témoignage, voilà, le message qui est que vraiment l'excision c'est interdit. L'excision, ça n'a aucun avantage, puisque malheureusement, après cette opération-là, qui n'est pas encadrée, il y en a qui s'en sortent avec des maladies, avec des hémorragies, voilà, qui, dans le pire des cas, emportent certains enfants. Voilà, et pour dissuader ceux qui peut-être avaient l'intention la semaine prochaine d'aller faire l'exciser, qu'ils sachent que, ah, en tout cas sur cette question, la loi est vraiment très stricte et que c'est dans l'intérêt des enfants que tout le monde justement aille dans le sens de la loi. Je suis un peu plus de temps.